تشتركي سبورانات، نزلت مواصلة معكم في إصلاح بعض التمارينات على شو بيدخلوا لاني في الرياضيات اللي هو الكونتينيتي والليميت. دونك عندنا الإكزرسيس موجود على الشاشة. Calculer les limites suivantes. Donc, limite en 0 de racine de x plus 1 moins racine de x de 1 moins x sur sin x. Limite en pi de cosinus carré x moins 1 sur 1 plus cosinus x. Limite en 2 de valeur absolue de x fois valeur absolue de x moins 2 sur x fois x au carré moins x moins 2. Limite en 1 de sinus pi x sur x moins 1. Limite de, en pi sur 2 de 1 moins sinus x sur cos carré x. Limite en 0 de racine de sinus x sur x. Et limite en 0 de tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3. Limite lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus 2x moins 5 sur x. Limite lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini de x, valeur racine de x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Limite x tend vers plus l'infini de sinus x sur x. Donc les exercices m'ont joué d'in. À chèche, je me trouve au poste, je vais l'exercice, je vais faire correction. Je prends le plus max possible, je vais faire des différents types de limites. باش من بعديك كي ندخل في لي بروبليم تاعنا ان شاء الله نبداو متمكنين منها. دونك نبدا بالليميت الاولانيه، ليميت x تون فير 0 دو راسين دو x بلس 1 موان راسين دو 1 موان x سور سينوس x. دونك لهنا باش نلقى فورما ديتيرميني وقت اللي نعوض بالزيرو، دونك يلزمني نشوف اوتر اكريتور للفونكسيون تاعي. شنو باش نعمل هنا؟ باش نقسم على x. دونك شنو باش تجيني؟ ايكال ليميت x tend vers 0 de racine de x plus 1 moins racine de 1 moins x sur sinus x sur x. Donc, il y a un trait de cette fonction t à la x. Bien, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, caution est de prendre le conjugué. Je vais dire, racine de x plus 1 moins racine de 1 moins x sur x. Donc, je vais dire racine. Donc, notre fil conjugué, il y a racine de x plus 1 plus racine de 1 moins x sur racine de x plus 1 plus racine de 1 moins x. Voilà. Donc, allez, je dis a moins b fois a plus b et a au carré moins b au carré. Donc, on sait qu'on dit moins l'année, on dit l'année moins, je dois aller plus sur x, racine de x plus 1 plus racine de 1 moins x. Voilà. Allez, je dis 2x. Sur x, racine de x plus 1 plus racine de 1 moins x. Donc, je n'ai plus simplification de 2, je t'apprends les 2 sur racine de x plus 1 plus 1 plus racine de 1 moins x. Donc, j'ai la fonction t. Donc, je dois aller à la limite x tend vers 0 de notre fonction, les racine de x plus 1 moins racine de 1 moins x sur sinus x. Égale limite x tend vers 0, donc de 2 sur racine de x plus 1 plus racine de 1 moins x sur sinus x sur x. Donc, il y a un x de 0. Il y a un x de 0. Donc, il y a un x de 0, je t'attends 2 sur 2, il y a 1. D'accord? Donc, il y a un x vers 1. Ou il y a un x de 0, qui fait un x tend vers 1. Ok? Donc, limite de t est égale à 1. Donc, limite de notre fonction, c'est 1. Regardez la fonction libada, qui est limite x tend vers pi de cosinus carré x moins 1 sur 1 plus cosinus x. Donc, kif l'année égale à cosinus carré x moins 1 sur 1 plus cosinus x. Donc, la limite x tend vers pi, elle est cosinus x moins 1 fois cosinus x plus 1. A au carré moins b au carré et a moins b fois a plus b sur 1 plus cosinus x. Donc, je peux simplifier égale limite x tend vers pi de cosinus x moins 1 qui est égal à 2. D'accord? Qui est égal à, pardon, moins 2. Cosinus pi, c'est moins 1, moins 1, moins 1. Donc, à retenir, moins 1 égale à moins 2. Donc, notre limite est moins 2. Regardez la fonction libada, elle est limite x tend vers 2 de valeur absolue de x, valeur absolue de x moins 2 sur x fois x au carré moins x moins 2. Donc, je vais faire une forme déterminée. Donc, il y a une valeur absolue. Avant de faire une valeur absolue, elle est x au carré moins x moins 2. Forme canonique de la forme x moins 2 fois x plus 1. D'accord? Je vais faire une delta. On va faire les deux solutions, les x1 et x2.
a fois x moins x1 fois x moins x2. Ben, donc, je dis là, il y a la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de x moins 2, valeur absolue de x. Je vais faire un tableau petit. Je vais faire la valeur absolue. Donc, pour nous, c'est x. Ça nullifie. Ça nullifie 0. Voilà, elle est négative ou après, elle est positive. Donc, valeur absolue de x. Fait partie, elle est moins l'infini 0 plus l'infini. Donc, fait moins l'infini 0 négatif. Donc, 0 moins x. Ou fil 0 plus l'infini, donc positif sur x. Ok? Donc, on a dit x moins 2. X moins 2, ça nullifie 2. D'accord? Voilà, elle est négative ou bien elle est positive. Donc, valeur absolue de x moins 2. Valeur absolue de x moins 2. L'année, puisque négatif, donc, je dois aller 2 moins x. Ou l'année positive, je dois prendre x moins 2. Ok? Donc, l'année, genre, on a dit. Je vais faire la valeur absolue de x ou la valeur absolue de x moins 2. On a des intervalles pour faire de l'étape plus l'année, je vais faire la valeur absolue de x moins 2. Fonction T, il y a valeur absolue de x, valeur absolue de x moins 2 sur x fois x moins 2, x plus 1. D'accord? Donc, il y a f de x, ça m'a égal. Donc, l'année, je vais faire par intervalle. Je vais faire l'intervalle de l'année, il y a pour x inférieur à 2, pour x supérieur à 2. Donc, je vais faire l'intervalle pour x supérieur à 2. Donc, pour x, l'année, je vais faire une fonction, je vais faire deux écritures. Donc, pour x supérieur à 2, x supérieur à 2, donc la valeur absolue est x de x moins 2 et x moins 2. Donc, je vais faire la valeur absolue de x fois x moins 2 sur x, x moins 2 fois x plus 1. D'accord? L'année, je peux simplifier par x moins 2. Et pour x est négatif, donc je dois lier moins x moins 2, donc il y a moins x fois x moins 2. D'accord? Sur x fois x moins 2 fois x plus 1. L'année, mais 2 moins x, il y a évidemment x moins 2, donc je peux simplifier. Donc je dois aller indiquer l'année, je dois aller indiquer pour x positif, donc f de x égale, donc l'année valeur absolue de x sur x fois x plus 1 pour x positif. Et moins valeur absolue de x sur x fois x plus 1 pour, pardon, l'année, 2 l'année, comparaison par 2 l'année. Donc pour x supérieur à 2, l'année pour x inférieur à 2. Alors, l'année fonction théorie avec 2, ça nullifie 2. Donc, je vais parler de la valeur absolue. Donc, la fonction théorie f de x, ou la valeur absolue de x sur x fois x plus 1 pour x supérieur à 2. Et moins valeur absolue de x sur x fois x plus 1 pour x inférieur à 2. Ben, la valeur absolue de x, elle est négative fait le moins l'infini, moins x, donc elle est moins x fait le moins l'infini 2, ou x fait le moins l'infini 0, pardon, ou x fait 0 plus l'infini. Donc, je vais nous l'intervalle de l'année pour x supérieur à 2, encore un dit x. Donc, pour x supérieur à 2, valeur absolue de x, je dois x, donc x sur x fois x plus 1 pour x supérieur à 2. L'année pour x inférieur à 2, x inférieur à 2, on a dit deux écritures. L'année a dit x ou l'année a dit moins x. Donc pour x entre 0 et 2, x est même bien 0 et 2, valeur absolue de x est x. Donc l'année moins x sur x, x plus 1. Allez, je suis moins là, l'année fait l'écriture. Ou pour x, l'année inférieur à 2, donc la valeur absolue de x est moins x, moins par moins, je dois aller plus, donc x sur x fois x plus 1, voilà. Donc, limite de notre fonction en 2, bien sûr, je dois de plus ou de moins. On dit l'axe des x, on dit 2. Pour x supérieur à 2, donc x sur x fois x plus 1, fonction t. Pour x entre 0 et 2, donc moins x sur x fois x plus 1. Et pour x inférieur l'année à 0, donc x sur x fois x plus 1. Okay? Donc, on a besoin de 2. Donc, puisque 2 a par de 2 écritures, ou pas le 2 écritures, donc il y a une limite en 2 plus ou limite en 2 moins. Donc, limite x tend vers 2 plus de f de x égale 2 plus, bien sûr, besoin de fonction, égale limite x tend vers 2 plus de x sur x fois x plus 1, et qui finit là en 2, bien sûr, on a une simplification de x. Donc, je t'apprends les 1 sur 3. Et limite x tend vers 2 moins de f de x égale limite x tend vers 2 moins, le moins, je t'apprends, bien dit, il y a moins 1 sur x plus 1, puisqu'en mode simplification, de x est l'année, kif l'année ou kif l'année, donc je t'apprends, je dis, il y a moins 1. Voilà, les types des fonctions, les films de valeur absolue. Les limites, les barres, la limite x tend vers pi sur 2 de
x tend vers pi sur 2 de sinus pi x sur x moins 1. Donc l'aîné, bien sûr, qui est la fonction mdi, l'aîné, pardon, x tend vers 1, c'est une limite x tend vers 1, donc avec la fonction mdi, limite x tend vers 1 de sinus pi x sur x moins 1, bien sûr, l'aîné qui est la x bel 1, je n'ai que forme indéterminée. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on pose le grand X si X moins 1. Donc, lorsque X tend vers 1, grand X tend vers 0. Donc, l'aîné limite lorsque X tend vers 1 de grand X égale à 0. X tend vers 1 égale à 0. Donc, l'aîné petit X est quoi égal à grand X plus 1. Donc, limite X tend vers 0 de sinus pi x sur x égale à limite x tend vers 0 de sinus pi x plus 1 sur, voilà, l'aîné grand x plus 1 sur grand x. Ok, l'aîné a votre petit x, grand x plus 1. Donc l'aîné limite de sinus pi x sur x lorsque x tend vers 1 ou limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus pi x plus 1 sur x plus 1. Donc égal à limite grand x tend vers 0 de moins sinus pi x sur x. Donc là je me refais le pi l'aîné égal à limite x tend vers 0. Je refais le pi, donc pi, on dit moins pi, c'est ce signe moins t. Donc je n'ai pas dit simplification. Donc on dit moins pi l'aîné sinus, bien sûr, pi x sur, maintenant, on a pi, on a dit pi x. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont chiantes, il y a des tombeurs. Donc, 1 égale à moins pi. Voilà. Limite de pi, moins pi, d'après les constantes, il y a moins pi. La fonction libre, limite x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur cosinus carré x. Donc, l'aîné cosinus carré x, ou 1 moins sinus carré x, donc égale à limite x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x sur 1 moins sinus x fois 1 plus sinus x. Attends, 1 moins sinus carré x, soit 1 moins sinus x fois 1 plus sinus x. Donc, je n'ai pas de simplification, je t'apprends les limites x tend vers pi sur 2 de 1 sur 1 plus sinus x, donc est égal à 1 demi. L'équivalent de x de pi sur 2, sinus pi sur 2, c'est 1, 1 sur 1 plus 1, donc 1 demi. Donc, on va reprendre en fait la troisième année. Quand si nous avons toujours la troisième année, je trouve les relations entre sinus et cosinus. Donc, nous avons les limites libres. Donc, limite x tend vers 0 de racine de sinus x sur x. Donc, les neiges n'ont plus coup. Maintenant, il faut une limite de 0 de sinus x sur x, c'est 1. Donc, les neiges, ma limite est 1. Donc, racine de 1, c'est égal à 1. Ok? Allez, je vais maintenant pour nous limite x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1. Voilà. T'as la limite là-bas, la limite x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3. Donc, l'aîné axiomatique est limite x tend vers 0 tangente x sur x, l'aîné, où l'aîné a dit 1 moins, donc tangente x à l'état. Donc, l'aîné tangente x est sinus x, tangente x, égale à sinus x sur cosinus x. Donc, l'aîné axiomatique est 1 moins, puisque l'aîné pardon, rage tangente x, puis t'as pris cosinus x sur x carré. Qui fait que je redemme ta vie? Donc, on dit tangente x moins sinus x égale, donc, tangente x moins sinus x ou cosinus x fois tangente x. Tout simplement, rage tangente x en facteur 1 moins cosinus x. Donc, l'aîné indique 3 et x ou x carré. Voilà. Donc, j'en suis qu'on a dit limite d, on dit limite de tangente x sur x, x tend vers 0, c'est 1. Ou limite x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré égale à 1/2. Donc limite mt, et puis je suis 1 fois 1/2 égale à 1/2. Donc on a limite x tend vers 0 de tangente x sur x égale à 1. Ou limite x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré égale à 1/2. Donc les limites à domaine, je suis venu en troisième année. Donc, limite de notre fonction,
limite x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3 ou limite x tend vers 0, de tangente x sur x fois limite x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré. Et il y a 1 fois 1 demi, donc égal à 1 demi. Les produits dans les limites, je vais vous donner le résumé, je vais vous donner 3e année, c'est kif kif. Dans la limite, x, valeur absolue de x tend vers plus l'infini, de racine de x au carré plus 2x moins 5 sur x. Donc, l'année qui est plus de plus l'infini, bien sûr, plus l'infini. À l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, le but de la forme indéterminée. Donc, on trouve la limite de la fonction. Bien, je vais vous donner une racine de x au carré plus 2x moins 5 est égale. Nous avons l'année. هي راسين 2 باش نخرج الاكس لهني لهني باش نخرج الاكس كاري باردون باش يبقى لي 1 موان 2 بلس 2 سور اكس موان 5 سور اكس كاري هاكا ولا دونك راسين 2 اكس كاري نجم نخرج البارا تولي فالور ابسولو دو اكس هاكا ولا فوا راسين 2 1 بلس 2 سور اكس موان 5 سور اكس كاري دونك بعد باش ندخلها في الفونكسيون نتاعي جونب تولي عندي. Donc, ça met la fonction g de x. Donc, g de x égale la racine de y. Donc, valeur absolue de x, racine de 1 plus 2 sur x, moins 5 sur x au carré sur x. Donc, l'année, bien sûr, je vais la valeur absolue de x. Valeur absolue de x entre deux écritures pour x positif ou pour x négatif. Donc, pour x positif, tu as g de x égale x racine de 1 plus 2 sur x, moins 5 sur x au carré sur x. Pour x est négatif, bien sûr, je dois aller le moins x racine de 1 plus 2 sur x, moins 5 sur x au carré sur x. La khatr pour x positif, valeur absolue de x égale à x, et pour x négatif, valeur absolue de x égale à moins x. Tout simplement, je n'ai une simplification de x. Donc, autant que je trouve limite en plus l'infini de notre fonction, donc limite en plus l'infini, je n'ai pas la fonction, bien sûr, je n'ai pas la fonction. Et dit, ou limite en moins l'infini, je n'ai pas l'autre fonction. Donc, limite x tend vers plus l'infini de g de x égale limite x tend vers plus l'infini, bien sûr, plus l'infini, ou x positif, 1 plus 2 sur x moins 5 sur x au carré. Donc, r est 0, racine de 1, c'est 1. Voilà. Limite x tend vers moins l'infini de g de x égale limite x tend vers moins l'infini de moins racine de 1 plus 2 sur x, moins 5 sur x au carré, donc égal à moins. Voilà. On va te l'amener juste limite de valeur absolue x tend vers plus l'infini. Donc, on va rajouter comme en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, on va dans l'exemple. Et la limite, lorsque valeur absolue de x tend vers plus l'infini, de x, racine de x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Donc, l'aîné égale limite valeur absolue de x tend vers plus l'infini, x, l'aîné, je rajoute l'x au carré. Donc, l'année qui touche l'x au carré, je dois aller valeur absolue de x, racine de 1 moins 1 sur plus 1 sur x au carré sur x au carré moins 1. D'accord? L'année à la khatr, x au carré, facteur de 1 plus x au carré, ou je me racine, donc je vais aller valeur absolue de x. Donc, l'année, kif, je vais aller le dénominateur, donc je dois aller les limites. X tend vers plus l'infini de x, valeur absolue de x, racine de 1 plus 1 sur x au carré, sur, je trage d'x au carré, le barra, donc 1 moins 1 sur x au carré. Voilà. Donc, la valeur absolue de x, bien sûr, je tire pour x pour x positif, ou l'aîné pour valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc, valeur absolue de x égale à valeur absolue de x égale à x pour x positif. Donc, l'aîné, bien sûr, on fait plus l'infini, puis je n'ai pas l'aîné, x, je te parle x au carré sur x au carré, je te dis, donc je vais parler limite valeur absolue de x tend vers plus l'infini de racine de 1 plus 1 sur x au carré sur 1 moins 1 sur x au carré. Bien sûr, puisque x tend vers plus l'infini, donc je vais starter l'année, je vais 0, l'année, je vais 0, racine de 1 sur 1 égale à 1. Donc limite interne égale à 1. تعد الاخر ليميت واللي هي ليميت x tend vers plus l'infini de sinus x sur x. دونك لهنا باش نخدمها بالتيوريم دو كومباريزون دي ليميت. احنا شنو نعرف
نعرفوا انه فالور ابسولو دو اكس دو سينوس اكس هي انفيريور او ايغال ا 1 توجور دونك فالور ابسولو دو سينوس اكس سور اكس هي انفيريور او ايغال ا 1 سور فالور ابسولو دو اكس اوكي اي اون ا ليميت x tend vers plus l'infini de 1 sur valeur absolue de x égale à 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, elle a changé de stade. Et nous, limite, x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, rage à 0, bien sûr, puisque 0 de sinus x sur x égale à 0. Voilà. C'est-à-dire, limite 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 lim